Oh, God, I got. Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau Sundaylog, enfin c'est plus un Mandaylog du coup, j'ai très bien qu'il sortira pas dimanche, parce que dimanche c'était hier, donc ça va être un Mandaylog, voilà, mais au moins il y aura quelque chose. Au final en fait, de base, je vous cache pas, je voulais pas en faire parce qu'il n'y a pas de nouveauté par rapport à ce que je vous ai dit dans le précédent. Bon, maintenant ce qui est officiel c'est que Melo est parti, il a rejoint l'équipe Hyper Games, donc maintenant c'est officiel. Bon, par contre on est tombé sur une map de merde et je déteste ça, parce que avant j'avais supprimé les nouvelles maps parce que c'est chiant de tomber sur les nouvelles maps. Mais le truc c'est que vu que maintenant c'est mis dans le rule 7MLG, bah je commence à faire des streams mix dessus, etc. Et du coup les re-télécharger à chaque fois c'est assez relou. Du coup je les ai repris, mais bon, jouant classé sur les nouvelles maps c'est un peu beaucoup relou, pour rien de vous cacher. Donc ouais, Melo a rejoint Hyper Games. De mon côté, donc, je sais pas si vous avez vu la news sur Millennium, donc Ronan va faire son roster, un espèce de roster espoir avec des jeunes toujours chez Millennium. Donc c'est toujours en projet pour l'instant. Je pourrais pas vous dire de nom, je ne sais pas vraiment s'il y en a, enfin ça me concerne pas vraiment. Et c'est bien d'un côté pour lui parce que je voulais pas qu'il quitte Millennium, enfin, je voulais pas qu'il soit en dehors du truc alors que de base on avait créé quelque chose ensemble. Et en plus on s'était dit de base que même si on était gêné par son jeune âge, on continuera à faire les trucs. Malheureusement, certains n'ont pas voulu et du coup, il a préféré s'écarter un peu de ce côté-là et pas me brider en quelque sorte. Je le remercie par rapport à ça, c'est plutôt cool. Même si je vous cache pas que si demain c'est annoncé le coach champ 16 ans, un truc comme ça, moi je retiens directement avec mon petit frère parce qu'il a vraiment un potentiel de dingue. Comme je disais, pour moi c'était. Enfin, après, certains diront que je suis pas objectif, vous pouvez le penser si vous voulez. Moi je pense que je le suis, j'ai toujours été très dur avec mon petit frère par rapport à ça. Je l'ai jamais mis en avant, j'ai jamais voulu que les gens l'appellent le frère de Gotaga ou machin, ou que ça pistonne quoi que ce soit, putain. Bon, je vous cache pas que j'ai pas beaucoup joué à Code là aujourd'hui, hein, c'est ma seconde game, donc soyez indulgents. Je suis arrivé dans une game où les mecs sont déjà bien en place. Un mec en 39-8, c'est assez relou. Bon, je pense qu'on va attendre patiemment qu'elle se finisse et on va attendre que ça relance une nouvelle, tout simplement, parce que là ça va être littéralement impossible de faire quelque chose. Putain. Et ouais, je disais, donc pour moi c'était vraiment, si on devait faire une carte fut comme sur FIFA, en gros pour moi Ronan c'était notre meilleur joueur. C'est celui, si justement t'avais une carte fut, bah qui aurait en général le mieux. Parce que par exemple, si tu prends moi comme comparaison, individuellement je suis bon, niveau expérience bah, j'en ai largement plus que Ronan, mais niveau mentalité ça va être bizarre, ça me fait bizarre de dire ça mais c'est véridique, j'ai pas la même maturité qu'à mon petit frère. C'est à dire que moi, dès que quelqu'un fait des erreurs, ça m'énerve vite, je me renferme sur moi même etc. Bah, ceux qui regardent mes streams ou quoi que ce soit le voient assez facilement. C'est à dire que quand ça me gonfle par exemple, je vais me mettre à plus parler ou des trucs comme ça. Je sais que c'est un gros défaut et j'essaie de m'améliorer par rapport à ça chaque jour. Mais par exemple, pendant un passe problème, des trucs comme ça qui font que pour moi il a un meilleur général que ce soit Melo, Jordi ou moi, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça de base, mais juste pour dire que du coup il va faire son roster espoir. Melo a rejoint Hyper Games, Carnage passe en mode directeur des télés chez Millennium je crois. En fait il est en stand-by, je sais pas trop s'il arrête ou pas, c'est avec lui qu'il faut voir. Il reviendra sûrement sur Black Ops 3. Moi je sais que de mon côté je rejouerai pas avec lui, je pense pas en tout cas. Je pense pas qu'il voudra rejouer avec moi de toute façon. Donc je pense qu'il fera quelques. S'il veut rejouer sur Black Ops 3, il recréera un roster derrière ou fera quelque chose d'autre, je sais pas trop. Ou ça se trouve il arrête carrément. Mais en tout cas pour l'instant il s'occupe des télés chez Millennium. Et puis bah moi de mon côté, alors déjà j'avais pour projet, au moment où je vous ai fait le Sundaylog la semaine dernière, j'avais pour projet de faire la Gfinity League parce que oui, même si le roster s'est dissous, j'avais été invité pour la Gfinity League qui aura lieu ce week-end là qui arrive. Donc on s'est pas qualifié par le biais de la ligue malheureusement. En même temps, quand t'as un roster qui est en pleine dissolution, c'est dur de gagner des matchs, hein, forcément, tout en online. Et du coup, bah, on avait eu une invitation pour la faire. Et donc, du coup, je devais donner 3 autres noms pour la faire avec moi au Gfinity. Donc, ce qui penchait un peu dans la balance, c'est est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas. On n'aura qu'une semaine et demie pour s'entraîner face à des gros noms américains, etc. Mais vous me connaissez, mon côté compétiteur, bah moi j'étais super motivé. Et comme nous, en fait, je devais la faire avec Gunchi, Shen et Marky B. Marky B qui avait été
qui avait quitté, qui a été kické, je crois, d'Epsilon. Donc un roster qui aurait sûrement bien marché, je pense, parce qu'ils ont tous une bonne expérience. Gunchi et Shane ont été, je sais pas combien de mois avec TCM, s'entraîner face à des Américains là dernièrement. Ils sont revenus en Angleterre, enfin, ils ont été kickés aussi TCM parce qu'ils n'avaient pas forcément le niveau pour rivaliser. On n'était pas aussi régulier que Jerd ou un Moose par exemple, mais je sais que pour un event, ils auraient été super chauds. Gunchi a carrément arrêté et s'est tourné plus sur le côté, il a trouvé un vrai travail, etc. Mais je sais qu'un roster juste pour l'event aurait été bon. Bon, je pense pas qu'il aurait performé au mieux, mais je pense que ça aurait été limite stratégique. En une semaine et demie, je pense que ça aurait été à un meilleur niveau que toutes les équipes que j'ai eues pour l'instant jusqu'au début du jeu. Parce que les mecs, ils ont l'expérience, ils font pas d'erreurs et c'est plutôt cool. Après, il y aurait quelques problèmes de communication, de temps de jeu ensemble, forcément. Mais ça aurait été un bon truc. Donc on s'est dit, vas-y, on l'a fait. On est motivé. Juste un roster d'une semaine, histoire de faire la Infinity League. Et après, moi, je retourne de mon côté avec trois autres joueurs. Oh, ça veut pas écraser! Cassé de là. Donc voilà, c'était ce qui était prévu, sauf que malheureusement Gfinity n'ont pas accepté. Pourquoi ils n'ont pas accepté malgré qu'on ait l'invitation? C'est que Shen et Gunchi, du coup, en pensant pas qu'ils allaient faire le tournoi vu qu'ils n'étaient pas dans la ligue de base, ils ont signé un contrat de caster, enfin d'analyste pour le Gfinity, vous les verrez la semaine prochaine, mais en tant qu'analyste. Et du coup Gfinity n'ont pas voulu qu'ils jouent en tant que joueur, ils ont voulu qu'ils restent analystes parce qu'ils avaient signé un contrat avec eux. Et du coup je n'ai pas pu faire ce roster et j'avais pas forcément d'autres noms en tête qui auraient bien voulu la faire parce que eux c'était super motivé à la faire. Mais voilà, je me voyais mal faire avec des Français ou autre chose. M'inclure dans un roster en écarter un le temps d'une semaine histoire de faire la compétition. Je voulais quand même faire un truc avec des joueurs solides avec qui on aurait pu rivaliser, faire quelque chose et pas faire un event juste pour le faire et dire enfin. Voilà, je pense que vous connaissez ça à force. Faire un event pour faire un event, c'est pas forcément mon genre, et je sais qu'avec ces joueurs j'aurais peut-être pu faire quelque chose rien qu'avec l'expérience qu'ils ont. Donc au final du coup j'ai rien fait, et les joueurs que j'ai en tête, les joueurs qui seraient intéressés pour jouer avec moi pour faire un roster prochainement sont déjà la Gfinity League en fait. Ils ne peuvent pas quitter la roster, du coup ça se trouve ça se fera pas au final, je sais pas, ça se trouve ils feront un bon résultat là-bas et ils changeront d'avis. Mais de ce que je peux vous dire pour l'instant, j'ai des bons noms en tête, j'ai déjà deux joueurs avec qui c'est pratiquement sûr à 100%. Pour le last, on se demande encore, mais c'est des joueurs... Bon, je vais rien dire de plus, mais voilà, vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui se projette et ça arrivera après la Infinity League, je sais pas combien de temps après, mais voilà, normalement ça se fera. Donc je vous en dis pas plus, je vais pas vous vendre du rêve pour l'instant. Mais si ça se fait, franchement, je pense que ça va être un bon truc. Et moi, ça me remotivera de dingue parce que je jouerai avec des joueurs qui font très peu d'erreurs. Et c'est ce que je kiffe, tout simplement. Ça me rappellera un peu l'époque Apex. Après, forcément, il n'y a pas la même... Comment dire, la même... j'ai pas vraiment le mot. On va dire cohésion. Il n'y a pas vraiment la même cohésion derrière. Il n'y a pas les mêmes amitiés que tu peux avoir avec des joueurs anglais qu'avec des joueurs français. Même s'ils peuvent être meilleurs en quoi que ce soit, c'est complètement différent. Je me rappelle à l'époque d'Apex, toutes les LAN, j'allais avec Apex forcément. Mais je restais avec les Français de Mythix, avec Broken, Diablo, Luan, etc. Parce que c'est avec eux que je m'entendais bien. C'est avec eux que t'as des délires. C'est pas avec les anglais avec lesquels tu joues, malheureusement, pour la plupart du temps. Bon, après, niveau boisson, si t'aimes bien l'alcool, par contre, les anglais, ça va être tes meilleurs potes, hein, je te dis. Mais sinon. Sinon voilà, forcément vous n'êtes pas du même pays, vous parlez pas la même langue, donc c'est un peu plus compliqué de tisser des liens avec ces personnes qu'avec des Français. Mais en tout cas d'un point de vue compétitif, c'est sûr que jouer avec des Anglais c'est beaucoup mieux. En tout cas si tu veux faire des meilleures choses. Après moi mon rêve ça a toujours été de faire un grand truc avec représenter bien les couleurs françaises avec 4 noms français. Malheureusement c'est compliqué pour l'instant en tout cas, peut-être que là avec la prochaine génération ce sera beaucoup plus simple à voir. Mais voilà, pour l'instant il y a un truc qui se projette, vous inquiétez pas. Et je vous tiendrai au courant, pas forcément dans le prochain Sunday Log parce que la Gfinity League sera pas passée, mais peut-être après, donc de toute façon vous le verrez sur Twitter, sur les choses qui se passent, et vous en parlerez plus en détail. Non, je suis en combien là? 17-10? Putain, j'ai l'impression de me faire déchirer depuis tout à l'heure, je suis concentré sur ce que je suis en train de dire. Je sais pas si vous avez vu, je suis avec le nouvel arme, moi ça me rappelle un peu Code 2. Je sais plus comment ça s'appelait sur Code 2. Je sais qu'il y avait une arme comme ça sur Code 2 avec laquelle je jouais beaucoup. Il me semble que c'était Code 2. Hein. Code 2, Code 4. Il me semble que c'est plus Code 2 parce que Code 4 j'étais plus à la M16. Mais voilà. Donc c'est un peu pour vous tenir au courant par rapport à ça. Pour ceux qui pensent que. Qui
qui pensent que je vais arrêter la compétition, qui font des... qui mettent dans la même catégorie que certains joueurs qui sont... Oh putain, dommage, j'ai failli lui mettre. Dans la même catégorie que certains joueurs qui eux sont en stand-by, sont sur le banc, moi je... En gros, d'un côté ça me ferait du bien de passer sur le banc un petit peu le temps de quelques mois, mais d'un autre côté j'aime trop la compétition. Franchement, je vous cache pas, hein, dernièrement là du coup ça m'a permis de voilà, un peu plus sortir, etc. Passer plus de temps avec ma copine, etc. Mais non, mais putain, mais... Ah, oh, ça casse les couilles ça. Mais après, il y a ce côté là, tu sais, qui me manquait, tu vois, comme quand... Je sais pas. C'est comme, je sais pas, n'importe quel sportif qui regarde actuellement cette vidéo, c'est comme si pendant... pendant un certain temps, vous faisiez plus le sport que vous êtes en train de faire, justement, bah ça vous manque et bah c'est un peu pareil par rapport à ça, c'est-à-dire que moi je ne peux pas me passer de la compétition, même si c'est pas forcément ce qui me fait vivre le plus, etc. Bah voilà, c'est quelque chose pour lequel je suis né et que j'ai envie de faire encore longtemps, tant que j'en ai les capacités pour. Donc voilà, c'est juste histoire de vous tenir au courant par rapport à ça, donc pas grand chose de nouveau, mais au moins vous avez quelques petits indices et vous savez à peu près dans quelle direction je me tourne, tout simplement. Sinon, ouais, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai un casque assez... Enfin non, c'est pas un casque merdique, parce que c'est mon premier casque quand même, c'est le casque avec lequel j'ai commencé. Enfin, j'ai commencé avec le Sharkoon pour ceux qui connaissent, mais c'est le casque que j'ai gardé très longtemps, c'est le Cyber AV2. Et là, je vous cache pas que j'ai plus trop le choix, parce que mon casque, mon MX300 a rendu l'âme. Enfin, le micro a rendu l'âme en tout cas. Forcément, c'est assez relou. Et il ne me restait que ça en stock. Du coup, je fais avec les moyens du bord. Donc, désolé si la qualité du micro est moins bien, s'il y a un bruit de fond, ou si vous m'entendez moins bien, je sais pas trop. S'il y a des problèmes par rapport à ça, je sais que dernièrement, quand j'ai fait un live avec, certaines personnes n'aimaient pas trop ce micro comparé à l'ancien. Donc voilà, tout simplement parce que mon micro est pété. Et en attendant que je me rachète un MX300 qui ne sera pas tout de suite pour l'instant. Je pense pour l'instant. C'est quand même assez cher, hein, 300 euros les potes. Putain. En fait, j'ai remarqué, mais on est en train de se faire déchirer en plan. On est vraiment en train de se faire déchirer. Mais c'est toujours plus le point. Pourquoi ça le touche pas? Il y avait bien un mec en face de moi là. Est-ce qu'en 3 minutes, si je joue à fond le vent, vous pensez qu'on peut gagner? C'est assez chaud, mais bon, on va essayer. Sinon, je vais essayer de reprendre, surtout quand... Si vraiment j'ai un roster qui se refait, je vais essayer de reprendre les streams à fond. Je vais beaucoup... On va désinstaller LOL et tout ce qui suit, si vraiment ça se fait. Et pour faire vraiment une fin de saison assez bonne, voire très bonne. Ce que j'espère, bien entendu. Oh, il a que de ouf, lui. Bon, on va commencer à débloquer des essais, ça c'est cool. Là, on va faire des assists. Oh là là, je suis tellement habitué au grappin, les potes. Oh, un mec invisible. On est bien là. On est en série, je crois. Enfin, je crois, je suis sûr, hein, vu qu'on a débloqué nos CSS. Viens, on va voir. Cette nouvelle arme, elle est bien. Hein. Enfin, après, les longs shoots sont assez assez compliqués. Non, je pense c'est pareil qu'une balle. Wow. Wow, mais je me bloque dans de la merde. Hein. Ah, attends, on en a impitoyable là. Non, on va pas jouer le point en fait. Y'a un mec qui raconte sa vie dans ma game. Ouais, mais il reste que 1 minute 50, donc faut quand même rusher le truc. Y'a un mec derrière moi. On va essayer de finir sur une bonne série. 1 minute 38, j'étais à 15, hein, sachant que l'hélico a fait des kills. Les ennemis ont capturé le point stratégique. Point stratégique contesté. Ah, t'es pas mort. Ah ouais, mais aussi là c'est... Je vais même... j'ai quand même mis un nombre de balles assez conséquent, non? Du coup, on va jouer le point sur la fin. Est-ce qu'on peut au moins? Bon, il reste plus d'une minute. Bon, faut pas qu'on... vraiment qu'on prenne tout pratiquement. Vas-y, on va camper là. Sinon, par rapport à la dernière vidéo que j'ai uploadée, le prime challenge, non, le Skyros challenge, pour tous ceux qui essaient de douiller, parce que je vois tous les douilleurs là. Là, tu vois, ils m'auraient tué, j'aurais compris. J'aurais rien dit, j'aurais même pas ragé parce que c'est moi qui ai bouché, tu vois.
c'est dans ce genre de moment que tu dis ouais franchement non, en fait l'arme elle a beaucoup de recul tu vois. Non, par rapport au Skyro Challenge les potes, pour tous ceux qui essaient de douiller là, qui essaient de te mettre des tanks, etc. Ah ouais moi je fais 13, moi je fais 10, même dans les commentaires, il y en a qui sont vraiment dans la putain. Donc si vous voulez vraiment me montrer que vous avez battu le temps, vous faites une vidéo, c'est simple, en plus avec la Xbox maintenant vous pouvez recorder les potes hein. J'ai juste à faire double Xbox guide et clic gauche pour recorder les 30 dernières secondes. Je pense que ça sera suffisant parce que j'ai vu des trucs et tu sais qu'il y en a qui essaient bien de douiller hein. C'est à dire qu'ils savent que c'est avec le morse de base. Mais ce qu'ils font c'est qu'ils prennent le... Comment il s'appelle le sniper là qui a une cadence de tir beaucoup plus élevée. Je sais plus comment il s'appelle exactement, mais The Doctor. Voilà, ils prennent soit The Doctor, soit le Quick Bolt et ils te battent ton temps. Ils sont là, franchement, c'était tranquille quoi. La dernière 6 mois, je comprends pas, j'ai pas du tout galéré. Non, mais faut prendre le sniper de base. Il y en a même un qui a été encore plus loin dans la misquinerie. C'est à dire que le mec, il a donc sur Sony Vegas, je sais pas quel logiciel, il a ralenti la vidéo. Enfin, en gros, il a mis en plus le mode pour faire genre la cadence était pas plus élevée. Pour faire genre c'était le sniper de base, et ce qu'il sait pas, enfin je pense qu'il sait pas, c'est que sur le quick bolt, enfin chaque arme quand elle est personnalisée, quand c'est une autre que l'arme de base, il y a quelque chose qui change sur l'arme en elle-même, sur le design. Il était pas au courant, c'est-à-dire qu'on voyait clairement que c'était un quick bolt, et le mec il a ralenti ça au montage pour vous dire ouais franchement regarde, la cadence de tir c'est pas du tout un quick bolt. Non franchement, écoute, je dis pas que je suis imbattable, c'est-à-dire que si vous pouvez battre le temps, tant mieux. Franchement il est dur à battre hein, parce que c'est limite un perfect que j'ai fait, mais vous pouvez le battre largement, si vous le faites franchement bah mettez. Je sais pas, enregistrez la vidéo simplement. Et mais essayez pas de douiller, franchement, vous êtes cramé à 10 000 km et vous passez pour des trisos derrière les potes, franchement. C'est comme ça. Et pour le Prime Challenge, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Oui, Prime, c'est un joueur FIFA, un joueur code, machin, machin. C'est d'ailleurs pour ça, les gens, que le Prime Challenge, je l'ai fait qu'en live et je l'ai pas uploadé derrière sur YouTube. Simplement parce que Prime, c'est pas un joueur code de base. J'ai pas envie qu'il y ait ce côté, oh, j'ai battu Prime, regardez. Alors que pour un joueur compétitif, c'est pas vraiment dur de battre son temps. Même sans le chargeur grand cap. Et si d'ailleurs vous voulez rester dans l'optique du Prime Challenge, si vous voulez battre mon temps, le mien c'est, mon record c'est 7,6 ou 7,5. Celui de Ronan c'est 7,3 et celui de Tony Ja, donc un joueur hyper game, c'est 7,2. C'est à dire que c'est le premier stand de tir et votre arme pour que ça soit une balle normale sans chargeur grand cap. Voilà. Et n'essayez pas de douiller avec votre photo aussi, où au final vous prenez une grosse batteuse sur armement en balle, vous faites votre temps avec la grosse batteuse qui tire partout et ensuite vous switchez d'arme, vous faites prendre la photo, oh regarde moi j'ai fait ce temps. Non, arrêtez d'essayer de douiller les potes. Faites-le vraiment, tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon ça sert strictement à rien. Bref, sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça les potes. Donc désolé, il n'y a pas vraiment plus d'infos que ça. C'est de base pour ça que je voulais pas vous faire un syndalog, parce qu'il n'y avait pas vraiment de choses en plus. Mais du coup c'est fait parce que j'ai eu pas mal de tweets par rapport à ça. Donc ça sera un syndalog et puis voilà, j'espère que vous appréciez quand même. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et à me faire part de vos ressentis sur n'importe quoi dans la vidéo par rapport à ce que j'ai dit tout simplement. Enfin dans les commentaires par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo, tout simplement. Sur ce, tous les gens.